Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Souvenez-vous, hier, j'avais si hâte d'aller courir ce matin. C'était sans compter sur la petite insomnie due à au grand retour de la nausée. Je n'ai pas dormi avant plus de 2h30 ou 3h du mat. Sur la limite de savoir si j'allais vomir ou pas. Vraiment, genre un grand plaisir. Et c'est sur un temps pluvieux et éclaté que j'ai été réveillé ce matin à 8h en train de comater dans le canapé que je n'ai pas quitté de la nuit, ne sachant si j'allais vomir ou pas. Programme de ce matin, je suis obligé de faire un aller-retour car j'ai oublié une tétine et a priori la crèche ne sait pas où sont les chaussons d'Aston. Et c'est la tétine d'Auguste que j'ai pas. C'est pas du tout un grand consommateur de tétine, Auguste, mais il aime bien quand même avoir sa petite tétine pour s'endormir le matin. Donc là, c'est parti, je fais l'aller-retour. Je pense que ça va faire l'affaire. Yes. J'étais en train de réfléchir à des... Pas du tout, je traînais sur TikTok. Je suis tombé sur... Non mais attends, ça me termine. Je suis tombé sur ce filtre. Incroyable. Vous comprenez ce qui se passe ou pas? Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Il se passe quelque chose ou pas? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe là? Ah, je croyais que c'était un miroir ça. Attends, je connais pas ma propre maison. C'est trop marrant. Je ne sais pas du tout ce que ça donne si je fais un vlog entier avec ça. Bon, on a plus l'impression que c'est un vlog de Sœur Nicolas quasi sans tête. Par contre, pourquoi? Merci. Bah, c'est dingue! Regardez ça. Mais non, mais non. Mais pourquoi je disparais? Je suis trop sombre? Que se passe-t-il? C'est incroyable. S'il y a trop de lumière, je peux plus me voir. Je suis un fantôme. Attendez, on va essayer dans un autre miroir. Voilà. Ça me fait... Mais attends, mais c'est trop marrant. Et dans l'autre sens, il se passe quelque chose? Oh! C'est incroyable dans ce sens-là. C'est incroyable dans ce sens-là. Tellement stylé! Ok, donc là, moi j'ai lancé Fortnite et je vais voir en rejoignant Fufu sur TeamSpeak, puisque c'est là qu'on se parle tout le temps, si déjà il est connecté ou pas. Parce que souvent, c'est ce qu'on fait quand il y en a nous deux qui est en stream. On est souvent sur TeamSpeak pour qu'on puisse se rejoindre sans avoir à prévenir ou quoi dans le chat. Je vais essayer de le rejoindre. Déjà, je vais regarder ce qu'il fait là. Je vais regarder qu'est-ce qu'il est en train de faire en stream. Ok. Ah, ils sont dans 3008. Il n'est pas en ligne sur TeamSpeak. Donc maintenant, je vais le ping en commentaire. Et normalement, je vais pouvoir le rejoindre. J'ai envoyé le message. C'est bon, il m'a vu. On va bientôt partir en live. C'était trop stylé le stream avec Fufu. Encore bravo à toi pour tes 6 millions d'abonnés. C'est incroyable. On a fait du Fortnite, on a bien rigolé, c'était cool. Voilà, encore un gros bravo à toi et merci à vous pour tout votre soutien que vous lui apportez depuis toutes les années. C'est incroyable. En parlant d'apporter du soutien depuis beaucoup d'années, j'ai aussi participé à la Saint-Manga à Saint-le-Noble. Et aussi à la Bouchain Geek, à Bouchain. Et donc, notamment à Saint-le-Noble, donc il y a la Saint-Manga, tout sinois. Et c'est leur 10 ans cette année. Donc déjà, je vous le dis ici en catimini, je serai sûrement là-bas le samedi 7 septembre. Quoi qu'il en soit, je devais leur faire une vidéo d'anniversaire pour les 10 ans cette année. Je vais donc la faire maintenant et leur envoyer... Et vous la verrez sûrement sur leur Instagram. Hey, bonjour. C'est qui ça? C'est toi là-dedans? Monsieur n'a pas dormi de la journée. Et ben voilà, monsieur est fatigué.
Monsieur est fatigué. Alors que toi, t'as fait des grosses siestes et t'es en forme. On peut pas manger ça. C'est l'heure du repas pour tout le monde. Tiens, vas-y, vas-y. Oh là là. Soupe de légumes. Soupe de légumes. À la maison. On le verra bientôt. Bye bye. Petits oiseaux, bye bye. Deux petits oiseaux volant très très haut. Un dit au revoir, on reverra bientôt. Bye bye. Petits oiseaux, bye bye. Petits oiseaux volant très très haut. Décide de partir, on le reverra bientôt. Bye bye. Petits oiseaux, bye bye. Alors. En vrai, c'est un peu stylé ce jeu. Il vient chez Action. Mais il y a un volcan qui rentre en éruption chaque fois que la voiture passe dessus. C'est trop stylé. Bon, des fois, la voiture elle galère. Ok. Et depuis tout à l'heure. Il est hypnotisé. Et voilà, on a rechangé. Alors, ça ne se voit pas, mais on vient de rechanger la cage. Et aujourd'hui, on tente ça. C'est censé être un truc pour stimuler l'oiseau dans sa cage. Avec des graines. Là, c'est quoi, là? Des fruits de la forêt. Waouh! On va le remettre à sa place. À chaque fois que je dois tenir comme ça quelque chose avec une poignée sur le dessus, j'ai l'impression d'être Harry Potter dans la forêt interdite avec la lampe torche qui est beaucoup trop grosse pour lui là. Ou dans la section interdite de la bibliothèque. Où il est comme ça là, il regarde. Ça me fait trop marrer. Vraiment, genre à chaque fois, je suis matrixé par cet univers, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce qu'il fait ? Lucie, en ce moment, elle regarde les vlogs d'août, mais ceux de Léna Situation. Et là, elle a déjà vu celui du jour. Donc, on est en plein repas. Elle nous a fait une belle salade tomate, mozza, jambon, œuf. On essaie de manger un peu pas trop lourd là pour la fin de la gastro. Et on n'a plus rien à regarder. Donc en fait, là, on a décidé de regarder en son train les vlogs de Win Palace, qui n'est d'autre que Romain Tea Time. Voilà. Ça a l'air bien, Romain. À l'extérieur de la ville. On est un peu de dévié. Alors, quel genre de Lucie a été interloquée par ta curiosité. Capillaire. Dans un instant, aujourd'hui, la balade va concerner un des petits points de la ville. Que je pense qu'on va aller voir d'autres points capillaires de Romain, ça va être bon. Caméra Obscura, que j'avais déjà fait et que j'avais bien aimé. Ça, c'est banger, ça. La petite intro 3D. C'est vrai qu'avant, il s'appelait It's Our Time. Hello les férus de savoir, je ne vous avais pas vu. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un de très royal. L'Angleterre est un des pays les plus visités.